Est-ce que cette statue d'un scribe accroupi pourrait nous aider à retirer le voile mystérieux que recouvre l'Égypte antique? Quelles seront les sagesses anciennes que recèle ce musée connu dans le monde entier? Peut-être pourrions-nous commencer par aller ici à la recherche des récits de leur vie à travers les messages laissés par deux grands pays de civilisation ancienne. C'est une statue en calcaire. Nous ignorons le nom de la figure. Nous savons seulement qu'elle date de l'Égypte ancienne, il y a 4500 ans. Au Louvre, on l'appelle le scribe accroupi. C'est lui qui nous conduira dans l'Égypte ancienne entourée de mystères. Quel monde va-t-il nous révéler? L'Égypte, royaume de pyramides, est arrosée par le Nil. Dans l'ancien temps, les Égyptiens croyaient que les êtres humains pouvaient renaître comme le soleil qui se lève chaque jour. Alors, comment vivaient-ils? Quels arts ont-ils créés? À quelle perfection aspiraient-ils? Et enfin, en quoi les Chinois se différenciaient des Égyptiens dans l'ancien temps? Dans le palais du Louvre et à la Cité interdite, nous nous employons à explorer les récits sur la vie, la mort, le droit et l'éternité. Je suis scribe. J'ai écrit des textes officiels et inscrit les événements dans les annales en Égypte ancienne. J'ai quitté ma terre natale en 1853 pour venir à Paris dans le sillage de deux Français célèbres, à ce que l'on dit. Ici, tout le monde m'aime. On vient me voir et on parle de moi. Je ne sais pas pourquoi je fais l'objet d'un accueil aussi chaleureux. La Grèce antique fut à l'origine des civilisations européennes. Au XVIe siècle de notre ère, beaucoup d'Européens pensaient que la civilisation de la Grèce ancienne prenait son origine en Égypte antique. Cette curiosité de leur origine poussait les Européens à explorer l'Égypte. En 1798, Napoléon Bonaparte, futur empereur français, déclencha la campagne d'Égypte pour s'emparer de ce pays. Mais cette guerre finit par se solder par un échec. Et 3 ans plus tard, les 150 et quelques savants faisant partie du corps expéditionnaire français emmenèrent en France de nombreuses cantines de notes et d'antiquités égyptiennes. Ils furent à l'origine de l'égyptologie. Un engouement pour l'Égypte ancienne battait son plein. Or, la civilisation d'autrefois était ensevelie sous les dunes de l'histoire. Personne ne pouvait parvenir à la déchiffrer. Il fallut attendre 1822 pour que l'affaire prît une nouvelle tournure. En effet, un certain nommé Champollion réussit à déchiffrer les hiéroglyphes. Quittons le musée et suivons Champollion pour chercher les réponses sur la terre où vivaient les Égyptiens antiques. Voici la vallée des rois. Elle abrite des tombeaux de plus de 60 pharaons. En 1822, Jean-François Champollion a vécu pendant 3 mois parmi ces tombeaux.
Il découvrait petit à petit que l'écriture égyptienne était en réalité un pictogramme fait de signes particuliers. Il s'agit d'une peinture sur les parois de la chapelle d'un tombeau. La figure représente la déesse Hathor, debout à l'entrée de l'enfer pour attendre le pharaon Sésostris Ier. Comment a-t-on pu tirer cette conclusion ? Les hiéroglyphes en haut de la peinture sont composés de signes idéographiques, phonétiques et d'un déterminatif. Champollion a réussi à déchiffrer d'après ces signes les hiéroglyphes inscrits sur le haut de la fresque, Sésostris Ier. On a pu enfin connaître le nom de l'occupant du tombeau, le pharaon Sésostris Ier. À côté de ce nom est inscrite une phrase : vous vivrez aussi longtemps que le dieu soleil. La fresque fait désormais partie de la fine fleur des collections du Louvre. La réussite du déchiffrement des hiéroglyphes a valu à Champollion les honneurs. Il fut qualifié de père de l'égyptologie en Europe. La civilisation mystérieuse de l'Égypte ancienne est reconnue de tout le monde depuis. En 1826, Jean-François Champollion fut nommé par le roi Charles X l'un des premiers conservateurs du Louvre et des antiquités égyptiennes. Les 4000 antiquités égyptiennes grappillées au Caire par le consul d'Angleterre, Henry Salt, furent aussi transportées à Paris. La salle des dieux barbares, la salle des antiquités populaires et deux salles des antiquités funéraires furent ainsi inaugurées. Il y avait une rivalité entre les différents consuls qui constituaient des énormes collections égyptiennes. Et c'est par ces collections d'ailleurs que le monde de l'Égypte pharaonique a été connu en Europe, beaucoup plus que par l'expédition de Bonaparte elle-même. Grâce à Madame Élisabeth Delange, qui nous servait de cicerone, nous avons pu approfondir notre connaissance sur cette statue d'un scribe inconnu. De plus, il a les yeux incrustés dans une petite lame de cuivre avec du cristal de roche qui est creusé dans son extrémité, et ce creux capte la lumière et donne l'impression d'une pupille qui se dirige différemment en fonction de la place où vous vous trouvez devant lui. Donc ce n'est pas un scribe écrivant, mais c'est un scribe écoutant. Et c'est assez rare. Oui, j'écoute. Nous, scribes, sommes les rares instruits de notre royaume. C'est là un droit que le grand Dieu nous a conféré. En raison de cela, nous avons obtenu l'estime des sujets du pharaon qui, lui aussi, nous tient en estime. Nous écoutons les instructions du pharaon avant de les graver sur les obélisques, sur les grands temples ou sur les parois de la chambre funéraire, et, dans la plupart des cas, sur des papyrus. Ouron a travaillé au musée du palais impérial à Beijing et à l'université de Harvard. Il fait des recherches sur l'histoire des arts et l'anthropologie de la Chine et de l'Égypte antique. 书记官
是我们了解古代埃及历史文明的一把钥匙，因为他们留下了大量的文献，就是在这种沙草纸上写下的文献。通过阅读这种文献，我们可以去重构、去想象当时人们的生活、当时的历史和发生的事情。 À l'époque, les pharaons constituaient le noyau dur de notre royaume. Sous la protection des divinités, ils étaient comblés d'honneur. Nous croyons que l'homme était éternellement vivant. De leur vivant, les pharaons construisaient souvent des grands temples et des mausolées. Ils faisaient momifier leurs dépouilles mortelles en vue d'une régénération de leur vie. Ce sphinx en granit qui garde l'entrée du pavillon des antiquités égyptiennes du Louvre possède le corps du lion et la tête du roi lui-même. En Égypte antique, le lion était le symbole du pouvoir suprême. C'est pourquoi les anciens Égyptiens faisaient souvent l'union de la tête du pharaon et du corps du lion dans la sculpture, conférant ainsi la force et la dignité du fauve au pharaon. Le sphinx avait pour tâche de garder les temples et les pyramides. La pyramide était le symbole du pouvoir des pharaons. Elle marquait le début du voyage du pharaon mort, dont l'âme montait aux cieux à l'aide des pyramides très hautes. Dans le pavillon des antiquités égyptiennes, ce qui est le plus mystérieux, c'est ce faucon omniprésent dans les peintures murales, dans les sculptures, dans les tombes comme dans les temples. Car chaque pharaon était l'incarnation du dieu Horus dans le monde des mortels. Et ce dieu figurait en faucon devant les êtres humains. Le faucon était donc un animal le plus vénéré au royaume égyptien antique. Le pouvoir du souverain est donné par Dieu. Cette notion existait non seulement en Égypte ancienne, mais aussi en Chine antique. Dans un ouvrage chinois très ancien, Les Rites des Zhou, l'empereur chinois est présenté comme le fils du ciel. On appelait donc l'empereur fils du ciel. Celui-ci dirigeait ses sujets selon la volonté du ciel dans un palais construit en rapport avec le palais du dieu du ciel ou le palais Zhewei, d'où le nom du palais, la cité interdite qui en découle. Dans la cité interdite, le dragon était le symbole des souverains et à la fois le totem de la nation chinoise. Si les pyramides constituaient le symbole du pouvoir souverain des pharaons, les grands chaudrons en bronze incarnaient le pouvoir et la dignité du Fils du Ciel sous la dynastie des Shang et des Zhou. Selon la légende, Hu le Grand de la dynastie des Xia a grappillé le cuivre de tout le pays pour en couler 9 chaudrons, symbole des 9 régions du pays. Le chaudron, objet de rite sacrificiel à l'origine, devint finalement un objet symbolisant le pouvoir suprême de l'État.埃及人和中国古人，特别是商周时期的社会，有很多的类似的因素。这种尊卑上下的概念，是在他的艺术中反映的是很强烈的。包括他的艺术的性质，常常是宗庙，常常是巨大的墓葬，都是强调一种等级和权力。 所以创造这些艺术的过程呢，实际上也就是一种保持这个权力、增强这个权力的一个过程。所以艺术有非常强的政治性和社会性。
Chaque année, au mois de juillet, nous nous inquiétions des crues du Nil. Nous nous morfondions en même temps à entendre la transformation du désert en vaste terre fertile pour les inondations. Nous avons consigné tout cela par écrit. Ce dessin est un caractère que nous avons utilisé. Les lignes ondulées représentent le Nil et le rond rouge d'en bas, le soleil. L'ensemble signifie l'éternité. Voilà, nous espérions que le Nil serait un fleuve perpétuellement débordé. Cette peinture murale provient de la tombe d'un certain Hounsou. Elle date de 3500 ans environ. Peut-être l'occupant de la tombe voulait-il peindre seulement sa vie dans le monde de l'au-delà. Mais en réalité, cette peinture nous permet de connaître la vie réelle des anciens Égyptiens vivant au bord du Nil. Après le débordement annuel du Nil, les terres surgissaient de nouveau. La scène présente ici est censée évoquer les travaux des champs. Les hommes ayant chacun un instrument aratoire à la main se livrent au labour, aux semailles et à la moisson. Les femmes les suivent de près pour glaner les épis tombés ou leur apporter de l'eau et le repas. La princesse, bien que défunte, embellie de parfums et de crèmes, porte une robe en peau de panthère et est assise devant un plateau pour se régaler du jambon, du gâteau et de la bière servie par des esclaves. Cette scène n'était qu'un épisode de la vie au bord du Nil. Elle pouvait se répéter d'année en année dans l'histoire de l'Égypte jusqu'à ce qu'un jour, un certain artisan l'eût repéré pour en faire une œuvre figeant le temps et l'espace à transmettre jusqu'à nos jours. Le fleuve jaune, mère d'une civilisation très ancienne comme le Nil, n'était pourtant pas aussi ponctuel et généreux que ce dernier. Il était brutal et de mauvaise humeur. Comme il charriait beaucoup de limon, on était obligé d'élever sans cesse des digues. Malgré cela, des terres fertiles et des êtres humains continuaient à être victimes du débordement de ce fleuve. En se référant à l'histoire chinoise, on peut s'apercevoir que contre ce que faisaient les anciens Égyptiens qui vouaient un culte au Nil, les anciens Chinois cherchaient par tous les moyens et depuis plusieurs milliers d'années à contrôler le débordement du fleuve jaune très capricieux qui fit pourtant éclore la civilisation de la nation chinoise. Il y a plus de 200 ans, l'empereur Qianlong de la dynastie des Qing fit graver le récit de Hu le Grand, dompteur des inondations sur une masse de jade gigantesque. Les empereurs chinois attachaient tous une très grande importance à l'aménagement du fleuve jaune. On recourait à divers moyens pour raconter sans discontinuer le récit de Hu le Grand, forgeant ainsi la grandeur d'âme de toute la nation chinoise et le caractère tenace et inflexible des rois Xia, vivant au bord du fleuve jaune. Notre royaume fut unifié pour la première fois en 3100 avant notre ère. L'Égypte avait été auparavant divisée en deux royaumes, la Basse-Égypte et le Haute-Égypte. Les gens de la Haute-Égypte adoraient la couleur blanche. Leur roi portait une couronne blanche et vouait un culte au faucon. Les gens de la Basse-Égypte préféraient la couleur rouge. Leur roi était coiffé d'une couronne rouge et prenait le cobra
pour son dieu protecteur. Plus tard, la Haute Égypte conquit la Basse Égypte et l'Égypte devint un empire unifié. Le cobra, inclus dans un signe rectangulaire, représente le roi. Le faucon, surplombant le haut du palais, est l'incarnation du dieu Horus. L'union du serpent, du palais et du faucon témoigne du pouvoir sacré et de la puissance du roi. Cette stèle du roi serpent fut le symbole de l'Égypte antique unifiée. Un pays unifié, un système politique stable, la montée et la baisse invariables du Nil et les terres fertiles apportaient la stabilité et l'aisance. Ceci était reflété même dans les arts par un style artistique égyptien invariable. Il appartenait aux agents spéciaux d'exécuter une peinture ou un bas-relief en conformité aux règles et critères définis par le dieu sans la moindre faute. Une majorité écrasante de pharaons aimait être vénéré et commémoré comme un dieu. Selon les critères artistiques pertinents, la statue de l'homme devait être plus grande que celle de la femme. La couleur de la peau de l'homme devait être plus foncée que celle de la femme. La statue d'un défunt, debout, ayant un rang social élevé, devait avoir les jambes écartées, l'une devant l'autre. Ce mode artistique stable ne fut pourtant pas accepté par le pharaon Akhenaton de la 18e dynastie. Ce fut un homme non conformiste qui a transformé toute l'Égypte. Contrairement aux pharaons désireux de laisser leur image attrayante après la mort, le pharaon Akhenaton ordonna aux artisans de graver à bon escient sa physionomie. Cette méthode d'expression lui a permis de laisser son nom, celui d'un pharaon rebelle, dans la routine de l'histoire. Ce Bolgatai semble des plus ordinaires aux yeux des non-initiés. Mais l'artiste dessine prestement sur l'embryon, de quelques coups de pinceau, les contours des fleurs de thé et de fourche. Et cela en l'espace de moins d'une minute. Pourtant, la rusticité de ces fleurs d'apparence simple donne des sources d'inspiration inépuisables aux artistes modernes de Ting de Jan dans leur création de porcelaine. Des Bolgatai aux bouteilles de raisin, le grand artiste Qin Si Lin expérimente ses innovations en porcelaine à motif indigo. À l'initiative du professeur Qin a été créé en 1996 le four de porcelaine Yufeng, une institution non gouvernementale dédiée aux études de la tradition de la porcelaine à motif indigo et aux expériences en la matière. Le four de porcelaine Yufeng conserve les styles naturels et sobres de cette porcelaine, ainsi que la douceur de sa couleur, la simplicité de ses lignes et son attachement aux nuances spatiales. Mais il y intègre aussi des éléments du temps moderne. De par les pièces produites à Yufeng, on peut constater que cette porcelaine se présente sous une couleur d'émail blanche qui ressemblerait à celle de jade. Sur le plan plastique, l'esthétique moderne est dominante dans le choix des formes.
et ses profils tordus ou irréguliers dégagent le goût de nos contemporains pour la vie. La recherche de l'individualité et de l'innovation est la devise des artistes au four Ufong dans leur création. Les motifs ne sont plus limités aux traditionnels dragons et phénix, fleurs et oiseaux ou personnages anciens. Tout ce que les artistes voient et imaginent peut entrer dans leurs dessins. Les procédés ont aussi évolué. Auparavant, le modelage était minutieusement effectué. Aujourd'hui, on recourt à la main et aussi au couteau et à la brosse pour obtenir la forme voulue. Chiu Han a été l'un des cofondateurs du four Ufong. Les motifs paysagistes sur ces pièces de porcelaine recherchent les effets de rudesse et de concision. On voit bien que quand il peint, il manipule son pinceau comme bon lui semble, qu'il s'agisse de monts, de rochers, de nuages ou de rivières à exécuter. Au four Ufong, artistes et amateurs se rencontrent souvent pour débattre et échanger leur compréhension de cette porcelaine et partager la joie de la création. Cette atmosphère d'ouverture a pour effet de conférer une plus grande diversité de styles et de nouvelles sources d'inspiration aux créations dans cette institution. Un nouveau lot de pièces de porcelaine, résultat de travaux minutieux et porteur de la sagesse des artistes, va sortir du four. Ces objets recèlent chacun en eux le courage de ces artistes innovateurs travaillant au four Ufong. Ils expriment aussi leur profond attachement à cet art.